Sylvia. Hildegarde, c'est un peu un ovni musical. Oui, tout à fait. Pourquoi? Un ovni musical, et en plus arrivé un peu par hasard, puisque ce duo est constitué de deux musiciennes qui viennent d'univers complètement différents. D'un côté, il y a Elena Delange, qui est un peu la reine indie pop du Québec, et de l'autre, Houri, qui est une Française expatriée à Montréal et qui, elle, est plutôt la reine de la techno. Leurs managers ont eu l'idée de les marier pendant 8 jours dans un studio, de les unir et de voir ce qu'il en ressort. Eh bien, le résultat, c'est ce joli petit album d'une demi-heure, 8 morceaux. Chaque morceau porte le numéro du jour où il a été créé. Et c'est un mélange de leur musique, c'est-à-dire c'est pop, c'est un peu indie, c'est groovy, c'est planant. Et l'album porte le nom du groupe Hildegarde en hommage à cette nonnette médiévale que vous connaissez, savante, médecin et compositrice de musique, Hildegarde de Bingen. Et on garde le nom en tête. À suivre. De la musique, on passe aux arts plastiques, oui. Maintenant avec une rétrospective de Julie Ouellette, une jeune artiste montréalaise. Oui, alors Julie Ouellette a découvert l'île Carillon, près de Montréal, et elle est tombée amoureuse de cette forêt, et donc elle a décidé de la dessiner. Parfois, elle crée au sein même de la forêt, elle s'installe, et elle peint, elle réinterprète à sa manière, avec des techniques très différentes, la cime des arbres, les lignes. Notre correspondante au Canada l'a rencontrée, Catherine François, vous propose ce reportage. Un univers fascinant de lignes enchevêtrées qui dessinent des labyrinthes sans issue. Un univers qui s'inspire d'une forêt, celle de l'île Carillon, près de Montréal, coup de cœur de Julie Ouellette. La nature de Carillon, l'hiver en particulier, encore plus, on veut préciser, là, la saison d'hiver, c'est une saison où est-ce qu'il y a énormément de lignes. C'est là que j'ai vu que c'est vraiment ça qui m'intéresse. La forêt, elle m'arrive, là, elle arrive sur moi. C'est pas compliqué à me rendre dedans. Quand Julie découvre par hasard cette grange abandonnée dont le mur en ruine s'ouvre sur la forêt, l'émotion qu'elle ressent alors catalyse cette série d'esquisses d'une remarquable délicatesse. J'avais le goût de passer à une espèce de complexité de lignes. L'artiste s'est jeté corps et âme ces dernières années dans l'illustration de ces lignes, car elle voulait relancer son processus créatif après avoir dessiné des corps, dont le sien, pendant une décennie. J'ai voulu challenger ma main et composer différemment en suivant une autre structure. La jeune artiste cherche l'accident, en pratiquant notamment le dessin à l'aveugle. Ça donne des lignes assez exceptionnelles, selon moi, parce que ça donne des lignes où est-ce qu'on n'est pas en train de juger cette ligne-là qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de la rectifier constamment pour la corriger, pour l'amener ailleurs. Donc, il y a une liberté. Il y a une grande liberté de dessiner, mais c'est une manière de me reconnecter avec le dessin. L'accident aussi dans le choix de la matière. Elle travaille avec de la cire d'abeille fondue qu'elle teint et applique par petites touches. On le voit dans ce tableau-là, c'est qu'il y a un effet de vibration dû à la technique même, à la résistance, au fait que ça fige rapidement. On sent la goutte de cire accumulée, le petit geste qui a figé rapidement. Le matériau, la technique utilisée s'immisce dans l'esthétique du tableau. Ne cherchez pas non plus de couleurs éclatantes dans les œuvres de Julie Ouellette. La jeune femme aime les variations et la sobriété des noirs, gris, blancs. Un travail remarquable, tout en nuances et en subtilité. Un écheveau de lignes infinies dans lequel on se perd avec ravissement. Merci Pascal. Merci.